إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue donc, inshallah ou ta'ala, l'explication Ahkam ou Manasik al-Hajj wal-Umra, ce livre qui a été écrit par le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. فيقول المؤلف ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتفاق السلف والأئمة فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحل إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر ويستحب لو أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحل حل لو من حرم عليه بالإحرام. Donc le cheikh, il nous dit ici qu'il n'y a pas de prière après qu'on ait fait les allers-retours entre Safa ou Al-Marwa, qu'on appelle également Tawaf. C'est pour ça qu'il dit le Cheikh, Wala salata aqib al-tawaf bi Safa ou Al-Marwa. Donc il l'a appelé ici Tawaf. À la kulli hal, c'est le fait, c'est en réalité As-Sa'i. C'est ce qu'on appelle As-Sa'i, qui est plus connu sous le nom de As-Sa'i. As-Sa'i ben As-Safa ou Al-Marwa. Donc le fait d'aller, de revenir entre les deux monts, As-Safa ou Al-Marwa. Il n'y a pas ici de prière une fois qu'on a fini ce sa'i. Il n'y a pas donc de prière à faire, d'unité de prière. La seule prière que l'on fait, c'est celle que l'on accomplit après qu'on ait terminé le tawaf autour de la maison sacrée. Et cela, d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, également de l'imam muslim, min hadith Jabir, et également min hadith Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhum. Et également, comme il nous dit le shir, wattifaq as-salafi wal-a'imma, de même, le consensus des salafs et des grands imams. Et il nous rappelle l'imam Ibn al-Munzir, fi kitabi al-ijma', il nous dit, wa ajma'u ala an man tafa sab'an wa salla rak'atan annahu musib. C'est-à-dire donc que celui qui fait les sept tours autour de la Kaaba, une fois qu'il a terminé, qu'il prie deux rak'ah, comme on l'a vu auparavant. Et cela donc, c'est l'ijma des savants. Ensuite, il nous dit le shir, qu'une fois qu'il a terminé son sa'i, فَإِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَ وَالْمَرْوَى حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a terminé entre le safa et le marwa, alors halla min ihrami, c'est-à-dire donc qu'il finit, ou que son état de sacralisation se termine, que son état de sacralisation se termine. Kama amara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu. Bien entendu, ici on va comprendre par la suite de ce que va dire le shir, c'est que cela se fait une fois qu'on a coupé ou alors rasé la tête, bien entendu. Qu'une fois qu'on a coupé ou rasé la tête. Et bien entendu, cela se fait une fois qu'on a terminé As-Sa'i. C'est dans ce sens que le shir, il dit cette parole. Et c'est pour ça qu'il dit Kama amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ashabahu lamma tafu bihima an yahillu illa man kana ma'ahu hadiyun. Illa man kana ma'ahu hadiyun fala yahillu hatta yanharahu. C'est-à-dire ici, il va nous rappeler, c'est ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, kama amara. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons qu'une fois qu'ils aient terminé donc As-Sa'i entre Safa wa Marwa, an yahillu, c'est-à-dire donc de se désacraliser,
de se désacraliser. Et ici, se désacraliser, c'était uniquement pour ceux qui n'avaient pas avec eux apporté leur sacrifice. C'est-à-dire donc que celui qui avait apporté avec lui son sacrifice, alors celui-là, il ne lui est pas permis de se désacraliser. Uniquement celui donc qui n'avait pas avec lui son sacrifice, lui, il avait la possibilité de se désacraliser. Car on sait qu'il y a deux possibilités. Soit la personne, elle va acquérir donc son sacrifice une fois qu'elle arrivera à Mina, ou alors qu'elle l'amène avec lui. Depuis son départ, elle amène avec lui donc son sacrifice. Celui qui a avec lui son sacrifice, lui, il ne peut pas se désacraliser après qu'il a terminé donc As-Safa ou Al-Marwa. Par contre, celui qui n'a pas apporté avec lui son sacrifice, alors lui, il peut se désacraliser. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait apporté avec lui son sacrifice. C'est pour ça qu'il n'a pas pu se désacraliser. Et sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, comme il nous l'a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans les authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait s'il n'avait pas apporté avec lui le hadith. Mais vu qu'il avait apporté avec lui donc le sacrifice, il n'a pas pu se désacraliser après qu'il a terminé As-Safa ou Al-Marwa. Par contre, ceux qui n'avaient pas apporté le sacrifice avec eux, parmi les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se désacraliser. Et donc, que deviennent leur tawaf et le sa'i une umrah. Et qu'ensuite donc, yom al-tarwiya, qu'ils se resacralisent pour commencer donc ici al-hajj. Donc ils se mettent en état de tamattu', car on sait la différence qu'il va avoir entre at-tamattu', entre celui qui est mutamattir et celui qui est qarin, c'est que celui qui est mutamattir, une fois qu'il a fait sa umrah, il se désacralise. Donc après qu'il a fait ses 7 allers-retours ou ses allers-retours entre Safa ou Al-Marwa, et qu'ensuite donc il se désacralise par le fait de couper ou de raser ses cheveux, et qu'ensuite Yawm al-Tarwiya, donc le 8e jour de Dhul Hijjah, le jour où on va commencer le Hajj, il se resacralise. Ça c'est pour Al-Mutamattir. Par contre Al-Qarin, c'est là la différence, Al-Qarin, lui donc, il ne se désacralise pas entre sa Umrah et son Hajj, il reste en état de sacralisation. Ici, le Shiri nous rappelle ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons. Amara an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ashabahu, pour ceux donc qui avaient fait le sa'i et qui n'avaient pas donc avec eux apporté le sacrifice, de se donc désacraliser. Et c'est donc ici tamattu'. Ensuite, il nous dit وَالْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ لَا يَحِلَّانِ إِلَّا يَوْمِ النَّحَرِ. Bien entendu, celui qui est mufrid, qui fait uniquement le hajj, et celui qui est qarin, donc celui qui fait le umra et le hajj, sans se désacraliser entre les deux, alors bien entendu, c'est deux sortes de gens qui rentrent donc dans les catégories du hajj, eux, ils ne se désacralisent pas. Sauf يَوْم النَّحَرِ, uniquement le jour donc du sacrifice. يَوْم النَّحَرِ. Donc il va de soi, pour ce qui est de Al-Mufrid ou Al-Qarin, pour ce qui est de Al-Mufrid, lui bien entendu, il reste en état de sacralisation depuis Al-Miqat jusqu'à que commence le Hajj, le 8e jour de Dhul Hijjah. Et Al-Qarin, il arrive donc à Mecca pour faire sa Umrah, et ensuite il reste en état de sacralisation. Et pour ce qui est de Al-Mutamattir, lui il fait sa Umrah et ensuite il se désacralise. Donc c'est ça qu'on comprend de la parole du Shir. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْصِرَ مِنْ شَعْرِهِ لِيَدَعَ الْحِلَاقَ لِلْحَجِّ. Ici est l'istihbab, c'est-à-dire qu'il est préférable pour la personne qui va se désacraliser. Donc la personne qui va devenir mutamattir, soit la personne qui devient mutamattir, c'est-à-dire qui était auparavant qarin et qui veut lui devenir mutamattir, donc ça lui est possible
en changeant sa niya, et à condition qu'il n'a pas bien entendu apporté avec lui le hadith. Donc, pour ce qui est de la mutamattir, ou al-qarin qui veut devenir mutamattir, alors pour ces gens-là, il est préférable pour eux, au moment où ils vont faire l'acte de désacralisation qui passe donc par le rasage ou le coupage des cheveux, le mieux pour eux, c'est qu'ils coupent uniquement. Et pourquoi cela ? Pour qu'ils laissent des cheveux, le jour où ils vont se désacraliser, Yom al-Nahr. Parce qu'ils vont se désacraliser, bien entendu, deux fois. Celui qui est mutamattir, il se désacralise deux fois. Une première fois après sa Umrah, une deuxième fois, Yom al-Nahr, le jour du sacrifice. Tayyib. De même pour celui qui était Qarin et qui a voulu changer et devenir mutamattir, donc lui, une fois qu'il arrive à Mekka, qu'il a fait sa Umrah, il se désacralise. Et donc, il transforme sa niya pour devenir mutamattir. Tayyib, comme on fait donc beaucoup de sahaba qui n'avaient pas apporté avec eux al-hadi, comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné. Donc eux, ils se coupent, il est préférable qu'ils se coupent. C'est-à-dire que s'ils se rasent, il n'y a pas de mal. Mais il est préférable pour eux qu'ils se coupent, et c'est quoi l'illa ici, la raison, pour qu'ils laissent des cheveux, pour que Yom al-Nahr, la deuxième désacralisation, ils puissent avoir un minimum de cheveux sur la tête, pour qu'on les rase cette fois-là. Pour qu'on les rase cette fois-là. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed, il disait وَيُعْجِبُنِي إِذَا دَخَلَ مُتَمَتِّعًا أَنْ يَقْصِرَ لِيَكُونَ الْحَقَّ لِلْحَجِّ. C'est-à-dire qu'il me plaît que lorsque la personne qui rentre dans le pèlerinage en étant mutamattir, c'est que uniquement il coupe ses cheveux pour qu'il lui en reste le jour où il va donc se désacraliser une deuxième fois, le jour donc Yom al-Nahr, le jour du sacrifice. وَكَذَلِكَ أَمَرَهُمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc également, comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné aux compagnons, donc pour ceux qui leur avaient ordonné de transformer donc leur niya et de devenir mutamattir après qu'ils étaient donc qarin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, comme cela est rapporté fi sahih al-Bukhari, fi sahih muslim également, أَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى وَقَصِّرُوا. أَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِالطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى وَقَصِّرُوا. C'est-à-dire donc désacralisez-vous de votre sacralisation en faisant donc le tawaf bayna as-safa wal marwa, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle sa'i, ce que l'on connaît plus précisément comme étant un sa'i, qu'on appelle également ici tawaf. On voit que le prophète sallam il a appelé également les allers et les retours entre safa wal marwa tawaf également. Wa qassiru, et donc il leur a dit wa qassiru, c'est-à-dire donc couper. Il n'a pas dit ici wa halliqu, il a dit qassiru, c'est-à-dire donc couper. Et dans ce sens, on va comprendre qu'ils vont donc se couper les cheveux pour en laisser lorsqu'ils vont se raser la deuxième désacralisation. Donc c'est pour ceux qui sont passés de Qarin à Mutamattir. Ou également de Mufrid à Mutamattir. De Mufrid à Mutamattir. Car également cela est possible pour Al-Mufrid à condition qu'il n'ait pas avec lui Al-Hadi. De même que le Qarin, qu'il n'ait pas avec lui Al-Hadi. S'il a avec lui Al-Hadi, il ne pourra pas donc passer de Al-Ifrad à Al-Tamattu. وَإِذَا حَلَّ لَهُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ بِالْإِحْرَامِ. C'est-à-dire donc lorsqu'il devient en état de désacralisation, tout ce qui lui était interdit avant qu'il se mette en état de sacralisation lui devient donc permis. Tout redevient permis comme cela a été le cas avant qu'il se mette en état de Ihram. Ensuite, il y a Qul Fasl. Donc ici encore, ou ici un nouveau chapitre. Et qui va commencer donc avec le début du huitième jour, Dhil Hijjah, qu'on appelle Yom al-Tarwiyah. Il dit le Shia Rahimahullah, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ وَإِنْ شَاءَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةِ وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحة وسنة أن يحرم أو أن يحرم من الموضع
والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. Donc le shir nous dit, lorsque on est le huitième jour de Dhul Hijjah, qu'on appelle Yom Tarwiyah, et où commence donc le pèlerinage, on appelle Hadal Yom Yom Tarwiyah parce que les gens s'abreuvaient d'eau et faisaient des provisions d'eau pour arriver jusqu'à Arafah. C'est pour ça qu'on appelait donc Yom Tarwiyah. Donc ce jour-là, les gens ils se mettent en état de sacralisation. On a entendu pour le cas de celui qui est mutamattir, ou alors celui qui est à Mecca et qui veut faire donc son hajj, et il commence directement Yom Tarwiyah, lui donc également, à ce moment-là, il se met en état de sacralisation. Donc ils font cela d'où ils se trouvent. S'ils sont en dehors de Mecca, ou s'ils sont à l'intérieur de Mecca, il se peut que la personne, après qu'elle a fait, pour ce qui est du cas, à titre d'exemple du mutamattir, une fois qu'il a fait sa umra, il se peut qu'il est logé en dehors de Mecca. Cette personne-là, elle fait son ihram, elle s'en met en état d'ihram, d'où elle habite, même si elle est en dehors de Mecca. Ou as-sawab, il nous dit le shir ou as-sawab, ça c'est la bonne réponse par rapport à ce cas-là. Et il nous rappelle que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mis en état d'ihram là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de s'y mettre. Et ils étaient donc dans ce qu'on appelle al-batha. Al-batha qui est un terme qui désigne donc un endroit qui est bas et qui est bien souvent couvert de cailloux. C'est comme un lit d'un torrent à sec, comme le lit d'un torrent à sec. Ce qu'on appelle batha. Bien entendu ici batha Mecca. Donc ils étaient à l'intérieur de Mecca. Batha Mecca, comme cela est venu dans le hadith de Jabir radiallahu ta'ala anhu fi sahih muslim. Et donc la sunna, c'est que la personne elle se mette en ihram là où elle se trouve, là où elle loge. Et c'est pour ça donc que Al-Mekki, donc celui qui habite Mecca, qui fait partie des habitants de la Mecque, il fait son ihram de sa maison, là où il loge. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait vu auparavant dans ce hadith authentique, qui disait celui man kana manzilu duna Mecca famahallu min ahli, c'est-à-dire donc celui qui se trouve donc ou qui est en dehors de Mecca, bien entendu qui se trouve entre al-miqat et Mecca, alors lui il fait son ihram à cet endroit où il se trouve. Et celui qui se trouve à Mecca, Ahlu Mecca, Yahiluna min Mecca. Celui qui se trouve à Mecca, lui également, il fait son ihram, il se met en état d'ihram, là où il se trouve donc à Mecca. Ça, on l'a vu. Donc tous ceux qui habitent entre Al-Miqat et Mecca, ils font le ihram de leur endroit. Et même ceux qui habitent à Mecca même, ils font le ihram de l'endroit où ils logent également. والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السنة ici donc ce qui rentre dans la sunna du prophète صلى الله عليه وآله وسلم c'est qu'il passe la nuit à Mina, donc il se dirige. Ils sont à la Mecque, ils se dirigent à Mina, et ils restent ensuite à Mina, et ils y passent la nuit. Une fois qu'ils sont à Mina, ils prient donc al-dhuhr, wal-asr, wal-maghrib, wal-isha, wal-fajr. Ils prient donc toutes ces prières. Tayyib. Et ensuite, une fois que le soleil s'est levé, ils en sortent. Ils sortent de Mina pour donc se diriger jusqu'à Arafah. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit khudu anni manasikakum, c'est-à-dire prenez de moi vos rites. C'est-à-dire comme moi j'ai fait le pèlerinage,
faites-le. Bien entendu, lorsqu'il se trouve à Mina, il prie bil qasr. Donc ils divisent leur prière, sauf bien entendu le Maghrib. Ils divisent leur prière, sauf bien entendu le Maghrib et bien entendu El Fajr. Par contre, ce qui est de 4 unités passe à 2 unités, comme c'est le cas de Al-Dhuhr, Al-Asar, Al-Isha. Par contre, ils prient bien entendu sans Jama, sans les regrouper. Donc c'est un Qasr d'un Jama. C'est un Qasr d'un Jama. C'est-à-dire donc qu'ils prient comme s'ils étaient en état de voyage, lorsqu'ils sont à Mina. La seule différence, c'est qu'ils ne rassemblent pas les prières. Donc ils prient le Asar à son heure, également le Dhuhr à son heure, ou le Maghrib ou l'Isha. Jusqu'à donc au Sobh, et après le Sobh, une fois que le soleil s'est levé, ils attendent que le soleil se lève, et ensuite donc ils partent. Yantaliqun ila Arafah. Ensuite, il dit le Shir, وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع خاصة بعد الرجوع من عرفة وأما الإيقاد بمنى وعرفة فبدعة أيضا. Le shir ici il veut nous mettre en garde et attirer notre attention sur ce que font certaines personnes comme innovation. Ce qu'on appelle al-iqad. Al-iqad, ce terme tout simplement, c'est lorsqu'on fait un feu ou alors qu'on allume des bougies pour voir dans la nuit. Donc à la base, allumer des bougies pour qu'on voit dans la nuit, parce que bien entendu, surtout dans le temps où il n'y avait pas d'électricité, ça c'est quelque chose qui est où il n'y a pas de mal à cela. Mais il y a des gens avec une intention, bien entendu, qui rapportaient des bougies, et bien souvent de leur pays, et qui les allumaient spécialement lorsqu'ils se trouvaient donc à Mina, et lorsqu'ils se trouvaient également à Arafah, et avec des croyances. Et cela, bien entendu, c'est une innovation. C'est une innovation de faire cela. Par contre, il nous dit le Shir, lorsqu'on est à Muzdalifa, et qu'on y passe la nuit, ou alors, lorsqu'on part de Arafah, et on sait qu'on part de Arafah après que le soleil se couche, et donc durant le voyage, on est dans la nuit, et qu'il se peut que la personne ait besoin de s'éclairer, alors il n'y a pas de mal par rapport à cela. Par contre, faire cela, alors qu'on est à Mina, ou alors qu'on est à Arafah, et le faire donc bien entendu avec une intention bien précise, ça rentre dans la bid'a, ça rentre dans l'innovation. وَيَسِيرُونَ مِنْهَا إِلَى نَمِرَةٍ على طريق ضب من يمين الطريق والنمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite donc, ils se dirigent et ils marchent jusqu'à qu'ils atteignent cet endroit qui s'appelle Namira. Et nous dit le Shir ici que c'était à la base Namira. C'était un petit village, Qarya, qui se trouvait à l'extérieur de Arafat, sur le côté droit. Et donc ici, la sunna, c'est d'y rester jusqu'à Az-Zawal, jusqu'à donc que le soleil commence à décliner. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait, comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, du long hadith de Jabir. Bien entendu, durant leur marche, donc qu'ils soient bien entendu à pied ou alors qu'ils soient en voiture, etc. Ce qui est bien, c'est également un takbir ou un dhikr, ou bien entendu toujours un talbiya, car la personne ne cesse de dire un talbiya depuis qu'elle s'est remise en état d'ihram depuis Mekka. ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وموضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب وفي حدود عرفة ببطن عرفة وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم وإنما بني في أول دولة بني العباس
فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقامه ثم يصلي كما جاءت بذلك سنة. Donc ensuite, une fois qu'ils étaient donc à Namira et qu'une fois que le soleil commence à décliner, ils recommencent à se diriger en direction de Arafah jusqu'à qu'ils arrivent à un wadi, une plaine donc, et qui s'appelle Urana. Qui s'appelle Urana, bil'ayn warra, Urana, et qui se trouve aux limites de Arafah. Et à cet endroit-là, ils s'installent, comme le prophète Sosem il a fait, et ils prient le dhuhr et le asar. Qasran wa jam'an fi waqt al-dhuhr. Ici donc une précision que l'on donne par rapport donc à ce qui a été fait par le prophète sallam. Qasran wa jam'an fi waqt al-dhuhr. C'est-à-dire que le dhuhr ou l'asar qu'ils vont prier à cet endroit-là, ils vont le prier en rassemblant le dhuhr ou l'asar au temps du dhuhr et bien entendu en raccourcissant la prière. Au lieu de prier 4 pour le dhuhr, 2. Et au lieu de prier 4 pour le asar, 2. Et c'est cet endroit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la khutba. C'est cet endroit qu'il a fait la khutba. Et donc, ici, il y a l'imam qui va faire à ce moment-là également la khutba. Et le shir nous rappelle qu'il se trouve à cet endroit-là une masjid qu'on appelle masjid Ibrahim et qui a été construit du temps de Daoula Bani al-Abbas. Donc de l'état de Bani al-Abbas, al-Abbasiyoun, du temps de l'Abbasiyoun. Et il prie donc derrière l'imam, tous, que ce soit les gens de Mecca et les autres, tout le monde. Qasran wa jam'an. C'est pour ça qu'il nous dit, Ibn al-Mundhir, toujours dans son livre al-Ijma', Ajma'a ahlul ilm, anna l'imama yajma'u bayna al-dhuhr wal-asr bi'arafa, yom arafa. C'est-à-dire ici donc que la personne, le jour de Arafah, il va prier le dhuhr ou l'asr. Que ce soit avec l'imam, et s'il n'a pas pu prier avec l'imam, alors il prie seul, ou alors il prie avec le groupe qui se trouve autour de lui. Et le shir nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sa khutba à la ba'iri, qui se trouvait donc sur son chameau. Et lorsqu'il finit la khutba, il y a donc le muadhin qui fait l'adhan et qui fait ensuite l'iqama pour donc prier comme on a dit. Et ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour être plus précis, il y a un seul adhan mais il y a deux iqama. L'iqama pour le dhuhr et ensuite l'iqama pour le al-asr. Et également un point que l'on cite, c'est qu'il ne prie rien entre les deux prières. Ensuite, يقول رحمة الله عليه ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتم صلاتكم فإن قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة وأما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي بأصحابه ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج مع أهل مكة وغيرهم ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى أيام منى صلوا معه ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمن ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه. Donc il nous rappelle qu'ensuite
lorsque les gens vont se déplacer pour arriver à Arafat, et que donc ils vont y rester jusqu'à que le soleil se couche. Il nous dit que à Arafat, et également lorsqu'ils retourneront à Muzdalifa, également lorsqu'ils partiront à Muzdalifa, ils prient donc toujours en Jama. De même pour ce qui est de Ahlou Mekka, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les gens qui ne font pas partie de Mekka et ceux qui font partie de Mekka, il n'y a aucune différence. Et de même, ils ont fait de même les Khulafa, les califes bien guidés, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar. Et que personne n'a ordonné, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ce soit les califes, que personne n'a ordonné aux gens de Mekka de terminer leur prière, ou alors d'accomplir complètement leur prière. C'est-à-dire donc qu'ils ne fassent pas Al-Qasr, qu'ils ne raccourcissent pas leurs prières, leurs unités de prière. Il ne leur a pas dit, lorsqu'ils étaient à Arafat, et également à Muzdalifa, ou également à Mina, il ne leur a pas dit de compléter leur prière. C'est-à-dire que nous sommes des gens qui sont en état de voyage. Et ceux qui ont dit cela, et qui ont rapporté cela, ils nous rappellent que c'est une erreur. Le Shir nous rappelle que c'est une erreur. Le prophète sallam, il n'a jamais dit ça durant le pèlerinage. Cela est une erreur, ceux qui ont dit, qui ont rapporté cette parole, que le prophète sallam, il a dit aux gens de Mekka de compléter leur prière. Par contre, ce qui est rapporté, ce qui est rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a dit cela lorsqu'il a ouvert la Mecque, Ghazwatul Fath, lorsqu'il a donc conquéré la Mecque, il a ouvert la Mecque, et que lorsqu'il a prié en tant qu'imam, bien entendu, et que les gens de Mecca étaient présents, qu'il a dit cette parole. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud dans les Sunan, pour ce qui est de Ghazwatul Fath, Ghazwatul Fath. Il est rapporté par Abu Daoud fi Sunan min hadith Imran ibn Hussein, d'où cette parole wa atimmu ya ahl Mekka fa inna qawmun safrun. Et ce hadith, en réalité, même pour ce qui est de Ghazwat al-Fath, c'est un hadith qui est non authentique, c'est un hadith qui est da'if, comme l'a mis en évidence l'imam al-Albani fi da'if Sunan Abi Daoud, et le hadith qui est le numéro 1229. Il nous dit le Cheikh, par contre, pour ce qui est de son pèlerinage, il n'est pas descendu à Mekka. Walakin kana nazilan kharij Mekka, c'est-à-dire qu'il était en dehors de Mekka, et que là-bas donc, il priait avec ses compagnons, et qu'ensuite, lorsqu'il est sorti à Mina et également à Arafat, sont sortis avec eux les gens de la Mecque et d'autres encore. De même, lorsqu'ils sont revenus de Arafat, ils sont également revenus avec eux. De même, lorsqu'ils ont prié à Mina durant les jours de Mina, à Yam al-Tashriq, et il n'a jamais dit à tous ces moments-là aux gens de Mekka de compléter leur prière. Donc ça, si c'est une information que nous donne le Cheikh, contrairement à certains qui ont dit que ceux qui étaient des gens de Mekka, il fallait qu'ils prient complètement leur prière, c'est-à-dire sans même les raccourcir. Ensuite, le Cheikh va nous dire un point qui est important par rapport aux règles du voyage, car il parle ici de voyage. Ce que serait pour certains la raison de raccourcir les prières, c'est le fait d'être en voyage, parce que la personne qui est en état, qui fait son pèlerinage, elle est donc en état de voyage. Et donc à partir de là, le Cheikh, il veut quand même nous rappeler un point qui est important pour ce qui est du voyage. Et il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas défini ce qu'était le voyage, la bimasafa ou la bizamen. Il ne l'a pas défini par une distance, et il ne l'a pas défini par un temps. Et donc à partir de là, on sait que ce qui est venu dans les livres de jurisprudence comme tahdid al-masafa, c'est-à-dire pour préciser une distance à partir de laquelle on se considère comme voyageur, ceci rentre dans ce qu'on appelle l'ijtihad. Ijtihad al-ulama, al-fuqaha, ijtihad al-mujtahidin. Ça rentre donc dans l'effort d'interprétation qu'ont fait certains savants pour délimiter
entre l'état de voyageur et de non-voyageur. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a jamais délimité cela. La bi masafa wa la bi zaman. Et il nous dit wa lam yakun bi mina ahadun sakinan fi zamani. Et il n'y avait pas donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam une personne qui habitait Mina. Mina, c'était donc désert. Il n'y avait personne qui habitait Mina à son époque sallallahu alayhi wa sallam. Wa li hadha qala Mina manakhun man sabaq. ولكن قيل إنما سكنت في خلافة عثمان وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة لأنه كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد من يحمل الزاد والمزاد. Donc ici le shir nous dit, en nous rapportant ce hadith et nous rappelant donc que à Mina il n'y avait personne à l'époque qui habitait à Mina. Tayyib. Donc certains, pourquoi il nous dit ça le shir? Parce que certains ils vont voir que lorsqu'il n'y avait personne qui habitait à Mina, tout le monde était donc considéré comme voyageur. Même les gens de Mecca, le chéri, il insiste, le fait qu'il n'y a pas une distance. Donc même celui qui est de Mecca et qui part jusqu'à Mina, lui, il va être considéré comme voyageur. Si on prend donc que la cause ici, c'est le voyage. Et qu'à l'époque, il n'y avait personne qui habitait à Mina. Donc tout le monde est en état de voyage. Par contre, ensuite, il nous rappelle le shir que c'est bien plus tard, durant le calife de Othman, qu'il y a eu des habitants à Mina. Et que c'est à cause de ça que Othman, il a complété la prière. Car on sait que, durant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant également Omar, et durant également l'époque de Abu Bakr, il n'y a pas eu parmi eux ceux qui ont complété la prière. Cela est arrivé du temps de Othman, qui lui a complété la prière à Mina. Car il voyait que celui qui était en voyage, c'est celui donc qui transportait ses provisions. Celui qui transportait ses provisions. Et comme donc le faisaient tous les gens, sauf ceux qui habitaient à Mina. Et d'autres également ont rapporté, donc, quelle est la cause qui a fait que Othman, il a complété lui la prière à Mina, contrairement à ce qu'a fait ses prédécesseurs. Ce que nous rappelle l'imam al-Nawawi, al-Sahih, alladhi alayhi al-muhaqqiqun anna Uthman ra'a al-qasr jaizan wa al-itmam jaizan fa akhadha bi ahad al-jaizain wa huwa al-itmam. C'est-à-dire donc que Uthman, lui, ce que voit l'imam al-Nawawi, ce qui est authentique par rapport donc au fait que Uthman, lui, il a complété la prière, c'est que Uthman, il voyait que de prier bil qasr en raccourcissant, c'était permis. Et également de prier totalement la prière, complètement la prière, c'est également permis. Et donc il a pris une des deux choses qui étaient permises. À la kulli hal ici, c'est souvent les causes qui sont rappelées par les savants. Ici on revient au hadith qui a été cité, Mina manakhun man sabaq. Dans un premier temps, on va donner son hukm, mais on va également donner ce qu'il veut dire par là. On va donner son hukm car c'est le plus important. Et on donnera la signification pour savoir quand même ce qui a été dit à travers cette parole. Ce hadith là, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou al-Darimi dans leur sunan, également l'imam al-Bayhaqi, min hadith Aisha radiallahu ta'ala anha. Ce hadith là, c'est un hadith qui est da'if. Hadith qui est da'if. Et parmi ceux qui l'ont rendu da'if, l'imam al-Albani. L'imam al-Albani. Comme fi da'if sunan al-Tirmidhi. Hadith numéro 881. Et également da'if sunan ibn Majah. Hadith numéro 592. À la kulli hal, pour ce qui est de al-Ma'na, Aïcha al-Di, Qultu ya Rasulullah, ألا نبني لك بمنى بيتا تستذل به في بعض الروايات تستذل به وفي بعض الروايات من الشمس. C'est-à-dire que Aïcha l'a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne construirait pas pour toi à Mina une maison ou alors un endroit où tu pourrais donc te protéger du soleil, comme cela est venu dans certaines versions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il a dit cette parole là, Mina manakhun man sabaq. Il a dit non, Mina manakhun man sabaq. Manakh, ce terme manakh, qui vient du terme al-inakha, al-inakha, qui est donc
là où le chameau il se repose, où on fait baraquer le chameau. Donc al-manakh wa al-mudi' al-inakha. Al-manakh wa mudi' al-inakha. C'est donc al-manakh ma'na aw arfan al-munakh. Na'am, munakh, c'est l'endroit où on fait baraquer le chameau, là où il va se reposer. Là où il va se reposer. Donc mina manakhun ou mina munakhun man sabaq, ou la personne qui va arriver à un endroit où il n'y a personne et qui va donc faire reposer son chameau, donc il va rester à cet endroit-là. Cet endroit-là, il va rester pour lui. Taïb. Donc il n'y a pas à mettre un endroit précisément, c'est-à-dire qu'on se faire construire un endroit, une maison, où la personne elle va venir s'installer. Et bien au contraire, l'endroit, c'est permis pour tout le monde. Le premier qui va arriver, c'est lui, en fait, qui va être servi. Taïb. Et donc s'il part de cet endroit-là, et qu'une autre personne vient, alors elle aura le même droit de s'y installer. On comprend donc de ce hadith que pour ce qui est de Mina, c'est un endroit qui est spécialement pour l'ibadat, spécialement donc pour les adorations, comme le rami, comme le nahr, etc. Ensuite, comme l'a précisé le shir, ensuite il y a eu des habitations qui sont construites, mais qui sont construites en dehors de al-manasik, des rites de Mina. Car en réalité, ici, certains savants ont vu que ce qui n'était pas autorisé, c'était le fait de construire à l'endroit même où il y a donc le manasik, à l'endroit même où il y a le passage pour les rites, pour pas qu'il y ait un encombrement. Taïb. Par contre, ceux qui vont habiter à Mina mais en dehors du rite, et qu'il reste donc l'endroit pour passer, que tout est organisé dans le sens, il n'y a pas de mal à cela. Taïb. Donc, c'est pour revenir à ce hadith qui est ala kulli hal da'if, qui n'est pas authentique. On va s'arrêter ici, inshallah ta'ala, et on continuera le cours bi'idhnillah ce mardi. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.